Voilà, nous rentrons presque tous de vacances. Et puis, en fait, dès qu'on allume la télévision ou la radio, on tombe plutôt sur de mauvaises nouvelles économiques ou sociales, avec un président qui a 13% de crédibilité ou de confiance. Eh bien voilà, il y a une profession qui, elle, essaie de se bouger encore, qui se réunit à Berlin une fois par an, dans la bonne humeur, pour essayer de montrer à l'utilisateur final et bien sûr aussi à tous les distributeurs quelles sont ces innovations, quels sont les progrès qu'ils ont pu réaliser en termes de technologie mais également de design. Et cette réunion, c'est l'IFA de Berlin. Donc on est très content en tant qu'Eberhard Frère d'avoir deux de nos marques qui sont représentées ici, puisque vous savez qu'Eberhard Frère distribue Liber en froid, Falmec en aspiration et Asco en cuisson. Asco et Liber sont deux marques présentes sur l'IFA cette année. Donc on en profite pour passer d'une marque à l'autre, sachant que les deux ont la même philosophie, le haut de gamme, c'est-à-dire la défense de la valeur ajoutée, que ce soit au niveau du produit lui-même ou au niveau du distributeur, puisque nous sommes en distribution sélective, ce qui veut dire que seuls les distributeurs qui apportent les services liés à des produits haut de gamme peuvent aujourd'hui prétendre distribuer les marques Liber, Falmec et Asco. Voilà, donc nous vous avons le plaisir de vous accueillir sur ce magnifique stand Liber qui cette année met en avant le BioFresh. Le BioFresh qui est quelque chose que la plupart de nos distributeurs connaissent déjà, mais ces distributeurs ne savent peut-être pas toujours que cette technologie est véritablement unique, puisqu'il ne s'agit pas seulement de descendre à 0,5 ou 1 degré pour mieux conserver les aliments, mais surtout d'apporter une hygrométrie extrêmement forte qui se rapproche de l'hygrométrie naturelle des aliments. Et par définition, plus vous vous rapprochez de l'hygrométrie naturelle des aliments, et moins vous les desséchez. Ce qui veut dire que vous conservez au minimum 3 fois plus longtemps les produits, parfois 10 fois plus longtemps, en fonction de leur hygrométrie propre, permettant ainsi de faire des courses le samedi, au marché éventuellement, pour manger frais toute la semaine, ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'on n'a pas un BioFresh, puisqu'à ce moment-là, arrivé le mercredi, quand on a fait ses courses le samedi, on commence à manger des choses un petit peu moins fraîches. Et bien là, profitez de la fraîcheur des produits, de leur qualité gustative, de leur qualité nutritive, de leur aspect visuel, toute la semaine grâce au BioFresh. Et comme vous pouvez le voir sur le stand Liber, on a vraiment mis en exergue la fraîcheur, la qualité des fruits, des légumes, mais on aurait aussi pu mettre de la viande et du poisson, puisque ces produits bénéficient également des mêmes qualités. Cette année, Liber a mis l'accent sur quatre thématiques fortes qui sont rassemblées dans cet appareil, à savoir donc le design, les économies d'énergie, la grande capacité de conservation et la conservation longue durée. Alors le design, tout simplement parce que ce side-by-side a été fait en inox black steel, donc c'est un nouveau revêtement très esthétique qui résiste encore mieux aux traces de doigts et aux assauts du quotidien, équipé d'une poignée à dépression en aluminium qui relève le tout, qui s'intègre parfaitement bien entre des meubles de cuisine. Économie d'énergie, c'est un side-by-side, donc grand volume, qui est de classe énergétique A++. Grand volume, donc grande capacité, effectivement on est sur un modèle de plus de 620 litres, où l'on va retrouver une partie réfrigération complète et une partie complète congélation no frost. On est sur un modèle qui bénéficie d'une technologie spécifique de conservation longue durée, le BioFresh. On voit les trois tiroirs BioFresh présents ici qui permettent de conserver fruits, légumes, viande et poissons jusqu'à 3 fois plus longtemps grâce à des conditions de température et d'humidité bien spécifiques. Donc là, on est sur un appareil qui rassemble tout le savoir-faire de la marque et qui représente finalement toutes les thématiques fortes de l'année 2015. Alors, c'est un modèle qui sera disponible à partir donc du premier semestre 2015 à compter du 1er avril. Il faut rappeler également que Liber est également spécialiste de la cave à vin. Et on retrouve un petit peu les mêmes thématiques que l'on avait dans l'appareil précédent, à savoir les économies d'énergie et la grande capacité de stockage. Là, on est sur une cave à vin qui va être la première cave à vin de classe énergétique A++ mise sur le marché. De surcroît, cette cave à vin, qui est la plus grande capacité du marché avec 312 bouteilles,
permet d'avoir vraiment une grande collection de bouteilles à disposition et de les faire vieillir à long terme dans de bonnes conditions. Pourquoi dans de bonnes conditions? Parce que dans cette cave à vin, on va retrouver effectivement toutes les protections nécessaires pour la conservation du vin. Donc à savoir une température homogène, à savoir un niveau d'hygrométrie compris entre 65 et 75%, à savoir un renouvellement de l'air grâce à un filtre à charbon, à savoir également une protection contre les rayons ultraviolets, et enfin également une protection contre les vibrations qui est également obtenue grâce à ces clayettes en bois spéciales qui permettent de maintenir les bouteilles en place. Alors la nouvelle gamme de fours Asco qui s'appelle Pro Series est vraiment particulière et vraiment inspirée du monde professionnel. Ça se voit déjà par un design avec beaucoup d'inox, avec de la robustesse au toucher où on a vraiment quelque chose de très qualitatif, très costaud. Et après, c'est vraiment Pro Series, des technologies inspirées du monde professionnel et une richesse d'équipement. On le voit avec une très grande cavité, 75 litres. Donc du coup, là, on est vraiment pour cuire des très grands plats. Véritable chaleur tournante, trois résistances, donc une cuisson sur plusieurs étages en simultané. Un nouveau process d'émaillage à basse pression qui va permettre vraiment une meilleure qualité d'émail et surtout une pulvérisation dans les angles de la même quantité d'émail, ce qui fait qu'on va même pouvoir pyrolyser les accessoires. Et la richesse d'équipement avec rail télescopique 100% télescopique, donc un véritable confort à l'utilisation pour l'utilisateur. Une sonde à cœur qui va permettre de maîtriser toutes ces cuissons, notamment sur la viande. Un lèche-frites en verre et une grille. Un système de double éclairage à l'intérieur de la cavité va également permettre un grand confort à l'utilisation. On n'est pas obligé d'ouvrir sa porte de four pour vérifier la cuisson de ses aliments. Ces fours sont dotés également de nouvelles électroniques, où ici on voit une électronique un bouton, très intuitive, qui va permettre de bénéficier de recettes préenregistrées pour avoir vraiment l'aide d'un chef à la maison, où j'ai juste à choisir ma recette. Je choisis si je veux du bœuf, je choisis le poids et automatiquement le four va me paramétrer et va me dire sur quel gradin il faut que je mette. Je n'ai plus qu'à enclencher ma cuisson et je suis assisté. Aujourd'hui, ce four-là, qui est un four pyrolyse, est en prix marché à 1250 euros. Alors, Asco profite de ce salon de l'IFA 2014 pour présenter ses nouveaux projets, donc là notamment des nouvelles esthétiques, où on est vraiment sur des fours plein verre avec un encastrement à fleurs possible, où on voit une finition qui est vraiment parfaite. À l'intérieur, la cavité reste identique, on est toujours sur cette richesse d'équipement, on est toujours sur une grande cavité, pyrolyse. La vraie différence va vraiment se faire sur le design et sur une nouvelle électronique toute tactile. Le design, on le voit vraiment, c'est par rapport à la Pro Series, on est sur quelque chose de beaucoup plus fin, beaucoup plus dans la tendance. On est sur un esthétique vraiment très très épuré et avec une électronique parfaitement intégrée, toute tactile, qui va permettre de guider l'utilisateur au quotidien pour choisir soit son propre mode de cuisson ou alors se servir de toutes les recettes qui sont enregistrées. On voit que cette gamme de fours sera complète puisqu'on va retrouver un four 60, on va retrouver des fours 45 où on aura vraiment une esthétique parfaite, une family line parfaite entre les deux avec un système de vapeur toujours la trappe en façade, très intégré que je ne remarque plus du tout. Des systèmes de micro-ondes et il y aura également pour compléter des systèmes de tiroirs chauffants pour avoir la family line parfaite.